Salut, salut. Donc, comme vous l'avez vu dans le titre, on se retrouve aujourd'hui pour la vidéo mensuelle du Disney Challenge avec les copines qui est sur Mary Poppins. Donc, je me suis déjà apprêtée. Je pense que c'est pas trop mal. J'ai mis mon gilet de grand-mère. Chérie, il supporte pas ce gilet. Moi, je l'adore. C'est un Morgane. Franchement, je l'adore. Voilà. Il est ouvert comme ça devant. Et je trouve qu'il fait très, très, très classe. Et très, très, très ces années-là. J'ai fait cette petite coiffure-là avec vous en vlog. Vous l'avez vu dimanche. Je trouvais que ça allait bien dans le thème de Mary Poppins. Et j'ai mis un petit nœud rouge, puisque moi je vais me baser sur le Mary Poppins, le retour, le nouveau, avec Emily Blunt. J'adore ce film. Voilà pour les petites infos. Donc, comme d'habitude, c'est avec mes copines, Amy et Manon, et vous avez leur vidéo en barre d'infos. Donc, n'hésitez pas à aller voir, à vous abonner à leur chaîne si vous ne les connaissez pas encore, ce qui serait assez étonnant. Alors, laissez des gentils commentaires et. Voilà. Like, commentaire et vous abonner. Voilà, c'était ça. Je crois que j'ai oublié un truc dans mon blabla, mais c'était ça l'idée. N'oubliez pas de mettre le pouce en l'air ici aussi et de vous abonner si ce n'est pas encore fait. Je me rapproche et on attaque. J'ai pris la Edge of Opulence pour faire le make-up de base, puisque je vais principalement utiliser le bleu ici. Qui, je pense, est pas mal ressemblant à son veston dans le sur l'affiche. Je vais y arriver. Et je vais faire un travail de cut crease. On fera les chevrons avec un liner cake plus foncé. Voilà, tout simplement. Donc, je vais commencer avec un tout petit pinceau pour faire mon coin interne. Si j'en trouve un, voilà. Et je vais le faire avec celui-ci. Voilà, je vais quand même mettre quelque chose en coin interne. Histoire d'illuminer mon regard. Donc là, je n'ai pas mis de base, hein, il n'y a pas vraiment besoin. J'ai juste mis fond de teint anti-cerne et j'ai poudré avec mon fard beige habituel. Je prends un pinceau biseauté et donc le bleu Lavish. Lavish est belle. Et j'ai déjà commencé par faire mon creux. En forme de cut crease tout simplement et je refais un trait parallèle au-dessus. Il a un problème avec sa voiture le monsieur là, donc j'espère qu'on aura assez de place pour faire les cheveux. J'aurais pu le faire sur toute la paupière aussi hein, mais j'avais pas envie. Donc je vais remplir entre les lignes avec un pinceau biseauté, j'en ai pour 3 jours, donc à demain. Et je vais juste ici estomper le bord. On va estomper un peu partout pour pas faire des gros patchs. Mais j'étire la couleur vers l'extérieur. Alors, je vais prendre un liner cake. Alors, j'hésite entre le néon, le bleu néon ici. Mais je pense qu'il fera trop clair. Il va être trop ton sur ton. Donc je vais prendre le bleu le plus foncé ici dans ma palette. C'est le The Royals, le Spit. Voilà. Je prends un liner tout petit, petit, petit. Ouais, je vais prendre celui-là. Ouais, c'est des chevrons. Avec des petits points. Bon, on va voir ce qu'on peut faire avec ça. On va déjà tenter les chevrons. Hein. Alors, les chevrons, c'est des zigzags. Je suis en train de faire absolument n'importe quoi. Voilà. On refait la même chose en dessous. Alors, ensuite, je vais prendre le liner blanc puisqu'elle a un nœud blanc. Attendez, je vous dis où. Non, sa chemise, son chemisier, c'est blanc à pois noir. Et elle a son nœud, elle, normalement, qui est rouge à pois blanc. Donc, je vais faire un nœud blanc d'un côté et un nœud rouge
de l'autre avec des petits points. Voilà. Alors, je vais faire le nœud rouge ici au-dessus, puisqu'on a le nœud rouge déjà ici. Voilà, donc au départ, ça ressemble à un nonos. Voilà pour le rouge. Je vais en faire un blanc ici en dessous. Donc là, on repasse chez Glisten avec le Milk. Ok, on va laisser sécher ça. C'est sûr. Sécher. Alors, pendant que ça sèche, j'ai déjà mis mon crayon noir en muqueuse. Je prends le liner Epic Ink de chez NYX. Oh, j'ai du mal. Je vais juste faire un petit trait noir. Essayer de faire un petit. Il part dans mes rivules ici en coin externe. Interne. Ensuite, je le garde pour faire le contour de mes nœuds. Voilà, donc ici on fait des petits points noirs. Joli petit. Et de l'autre côté, on fait des petits points blancs. En muqueuse, je vais mettre du rouge pour rester dans le thème. Donc je vais prendre le Creator. Sur les lèvres, je vais mettre le rouge, comme ça, de chez Sephora. Et je viens vous montrer ce que ça donne. Et donc voilà le look final de Mary Poppins 2.0. J'aime beaucoup. Je pense que je suis bien dans le thème. Donc dites-moi ça en commentaire. N'est-ce pas? Voilà. Un max de pouces en l'air si vous trouvez que j'ai rempli ce challenge. Et voilà. Donc n'oubliez pas que vous avez la vidéo des copinettes, de mes petites chéries, des autres super nanas en barre d'infos. Allez voir leur vidéo, bien sûr. Vous abonner, liker, commenter et tout ça, tout ça. On va faire le tirage au sort du prochain. Et oui, je n'oublie pas, je suis parfaite. Oui, vous m'entendez différemment, j'ai rapproché mon téléphone, mais c'est normal. Je vous mets un peu de place. Alors, je cherche la bonne liste. Ok, et c'est parti. Les nouveaux héros. Je connais pas du tout. Donc c'est bien, c'est un challenge supplémentaire. Je vais partager ça aux filles pour qu'elles le sachent un petit peu avant vous quand même. Je vais pouvoir l'enlever de ma liste. Et voilà. Donc sur ce, attendez, je remets mon. Je fais n'importe quoi. J'ai faim. Ouais, aucun rapport, je sais. Donc j'espère que ce Disney Challenge vous aura encore plu. Je sais que vous aimez beaucoup cette série et nous, on aime toujours autant la faire. On en est quand même à 18 là, je crois, hein, si j'ai pas de bêtises. On arrive au 20e, hein, donc ça fait plus d'un an, et demi, ça va faire 2 ans bientôt. Donc c'est génial. Voilà. Donc n'oubliez pas de mettre le petit pouce en l'air, de vous abonner si ce n'est pas encore fait, d'activer la petite cloche pour ne pas rater les prochaines vidéos. Et en attendant du coup la prochaine, moi je vous dis bisous bisous.